Je crois pas. Ton prénom et ton nom de famille. Mais après, tu sais que la demande de... Enfin, là, j'ai vu ton nom parce que je t'ai fait de demande, justement. Mais normalement, on le voit pas, ça. Hein. Là, c'est parce que je savais que c'était toi et tout, donc j'ai fait une demande de nom réel, en fait, ça s'appelle comme ça. Mais en vrai, on le voit pas, ça. Normalement, on voit ReignMK2. Ben, t'as accepté, là, non, la demande de réel. La demande de nom réel. Bah fais gaffe parce que moi quand je t'ai demandé en ami j'ai coché faire également une demande de nom réel. Donc ça a dû te proposer également le nom réel. Mais là je t'ai demandé ça parce que je te connais mais enfin c'est parce que je voulais avoir ton vrai logo en fait. Parce que là tu vois mon vrai logo normalement. Tu vois pas les logos de Sony. Bah je crois que c'est comme je te disais en liant avec Facebook ou une connerie comme ça, je sais plus comment j'ai fait, ça date mec, hein, mais ça date de très 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 longtemps. Bah c'est cool, ça te plaît? Bah de toute manière, moi je te l'ai dit, hein, PC ça reste quand même mieux en termes de performance, mais après... Après, y a la PS4 t'offre plein de choses aussi, quoi, donc bon. Il y a un jeu gratuit que tu peux télécharger. Et il y a plein de jeux gratuits que tu peux télécharger qui sont pas trop malins. Gratuit? Non, c'est pas... Ah oui, ouais, Until Dawn, parce que t'es sur le PSN Plus. Ah bah ouais, bah, prends-toi... tu t'es pris un an? Parce que un an il va monter de 10€ début août. Tous les prix vont monter, ouais. Ouais, donc voilà, c'était pour au cas où si tu voulais économiser maintenant, mais bon. Ah ouais, tu m'avais parlé de ton histoire là. Ouais, ouais, c'est pas mon kiff. Ouais. Ça fait, j'imagine que tu t'accapares cette télé. Hein? Ah, ok. Ben moi, je te conseillerais de faire un tour, comme je te disais, sur les jeux gratuits dans le PSN. Tu vas dans jeux gratuits. T'as notamment un bon hack and slash. Enfin bon, relatif hein, mais moi je kiffe bien sur la Kensa. J'ai joué sur PC d'ailleurs et ils ont refait une version PS4. Bah Warframe c'est pas mal, mais je parlais plus d'un hack and slash et c'est Marvel Omega. Ouais, t'as pas vu, t'es dessus, t'es en train de jouer ou... ah ok. Bah je suis dessus sur le jeu et moi j'y avais déjà pas. Ouais, c'est un hack and slash, tu choisis le héros que tu veux, enfin, tu les débloques quoi, parce qu'après ça reste un free-to-play, hein, faut pas l'oublier. Et je sais plus comment ça marche, moi j'ai eu Spider-Man, je crois que j'avais payé un petit pack pour avoir Spider-Man. Mais sinon les héros, tu t'en choisis un au début, puis après tu les débloques avec les sous du jeu ou dans les loot. Et c'est pas mal du tout, hein, si tu regardes ma chaîne, tu verras, voilà, je joue Spider-Man, c'est assez stylé. Et en plus c'est à la manette et tout, c'est pas mal hein, c'est... Moi je trouve ça bien fait. Bah de toute façon c'est gratuit hein, donc au moins tu le prends, tu regardes. Moi je kiffe bien et puis... Et puis si tu joues, bah on pourra y jouer à deux quoi, ça peut être... Enfin je sais pas, on verra. Ah bah c'est pas un PC hein. Ouais, je crois pas. Ah, les jeux, le prix. Ah ouais, bah, ouais. C'est pas pareil, hein. C'était toujours 10€ plus cher à peu près en moyenne. Ah ouais, mais ça... Ça dépend les... Ouais, ça dépend les offres du moment aussi.
Ouais. Il marche bien sur Play. Et bien sûr, pas la moindre cloche à proximité. Ah bah c'est sûr hein. Mais tu sais que ce micro je l'avais acheté exprès pour les gens sur Discord. Il y avait une offre, un pote il vendait une manette de PS4 plus le casque à 70€ les deux. Donc ouais ça va, le casque il est très bonne qualité, une manette ça vaut 70 balles à la base. Franchement oui. Je me suis fait plaisir. Mais du coup vu que j'ai plus de PC ben dans le cul. Donc je l'utilise pour PS4. Non après j'étais pas tout seul moi personnellement, mais c'est plus par rapport à Discord que je disais ça quoi. Du coup du coup je suis obligé d'utiliser quand même mes écouteurs, mon kit main libre pour Discord parce que j'ai pas de PC donc Discord je l'utilise par le téléphone. Ah ouais, c'est chiant ça. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah bon, je sais faire ça, moi ? Ouais, tant mieux, hein. Ouais, moi je me fais plus chier, je prends tout en dématérialisé. On se fait une petite toile ? Bah non, c'est pas le genre de truc que je veux demander aux gens. Enfin, les gens que je connais pas IRL, quoi, je veux dire. Après, je t'apprécie, mais je te connaissais pas IRL, je veux dire. Oui, pour toi, oui, c'est normal. Mais les autres, ils verront RainMK, sauf s'ils font une demande de nom, comme je te disais, quoi. Une demande de nom réel. Ouais, regarde bien quand on te demande en ami si le mec il a coché ou pas, quoi. Pour accepter ou pas. Ah oui, clairement. Ah ouais. Ah moi sur PS4, je stream facilement. Bah si t'as la fibre après, hein, faut avoir la fibre un minimum. Même pas ? Ah bon, je sais pas, bah tu testeras, mais après t'auras pas les... Je pense que si t'as pas la fibre, t'auras pas quand même les meilleures possibilités, hein, c'est sûr, mais... Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, mais je sais pas. Personnellement, je sais rien. Bah ouais, faudra que tu m'envoies le lien de ta page YouTube. Enfin, de ton... Ah oui, Twitch ou YouTube, ouais. C'est soit Twitch, soit YouTube, soit Facebook, je crois. Les trois, tu peux stream. Bah moi je fais ça sur YouTube, après chacun son truc hein. Ah ouais. Et je pense qu'il y a plus de monde sur Twitch après, mais moi c'est plus parce que j'ai toutes mes vidéos sur Twitch, sur YouTube de base. Donc autant continuer à streamer sur YouTube, comme ça je conserve mes vidéos en l'état dans ma bibliothèque et c'est cool quoi. Ouais, enfin mes VOD et mes streams du coup. Ouais, je crois pas. Ah bon ? Ouais, mais j'ai pas de PC donc tu vois le délire. C'est chiant quoi, si je passe par le téléphone, que ça marche pas, patati. Alors tu peux monter à 1h maintenant. Ouais, c'est plus que.
c'est plus. Ouais, mais une heure, tu sais, t'imagines, c'est plus que ce que te propose Nvidia de base, quoi, Nvidia Experience. Mort de rire. Donc, ça, déjà, c'est trop bien, quoi. Ouais, des fois, je fais des sessions. Je dis, putain, j'ai fait une bonne session SF5, tu vois. Allez, j'enregistre la dernière heure et je l'upload en 2-2. Le Street 4, il est en cross-plateforme, hein, donc peu importe. Street 5, pardon. Tu parlais de Street 4 ou Street 5, quoi? Ah bah après je sais pas si t'auras le problème ou pas, mais en tout cas c'est cross-platform, donc il y a les mêmes joueurs, hein. Logiquement, si tu trouves pas sur PS4, sur PC tu trouveras pas sur PS5. Oh là là, je vais y arriver, tu m'as compris. Ah mais en plus ce hack and slash il est kiffant sa mère, quoi, il est dynamique. Il est délire, c'est... Ouais, c'est Diablo avec Marvel, quoi. C'est avec toute cette folie de super-héros et tout, c'est pas mal. J'y jouais déjà sur PC, moi, à l'époque. Mais pour te dire, j'avais mis en place un système de fou pour pouvoir, en fait, binder une manette alors que c'était un jeu PC. Enfin, je m'étais fait chier, quoi. Et là, ils l'ont sorti récemment sur PS4 et tout. Je me suis dit, ah, trop bien. Donc du coup, je l'ai pris sur PS4. En plus, il est free to play. Si, 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 il était free to play aussi, ouais. Mais bon, tu sais, on sait jamais, des fois, les jeux, d'un support à l'autre, le modèle économique peut changer, quoi. Spider-Man, il est trop fort, je kiffe. Ouais, je main Spider-Man et Colossus dans le jeu. C'est le géant là, bah c'est. Enfin, le géant. Le mec tout en métal, c'est. En fait, c'est le Zangief de Marvel, quoi. Ouais, je crois pas. De quoi? Ce coin est plus flippant qu'un film de Sam Raimi. Moi, ce que je kiffe, c'est les doublages français dans le jeu. Tout le jeu est en français, les doublages sont en français, les personnages, c'est les doublages des dessins animés. C'est de la tuerie. Et genre quand tu joues Spider-Man, il te sort des vannes à tout va, c'est tellement drôle. Des fois quand ils croisent, tu sais les personnages, quand ils se croisent, les joueurs, quand ils se croisent, il y a des phrases entre eux et tout, c'est à mourir de rire, quoi. Genre des fois t'as Spider-Man, il parle, je sais pas, Wolverine ou quelqu'un d'autre et c'est trop stylé, quoi. Des petites phrases, ouais, c'est kiffant. Je crois pas. Ouais, ouais, y'a Deadpool aussi. Ah, mais le jeu? Enfin, tu parles de quoi? Tu parles du jeu Deadpool ou du personnage dans le hack and slash que je joue? Ah, oui, il y est dedans. Il est à mourir de rire aussi, ce perso, putain. Mec, des fois, il te sort Shoryuken comme ça, tu sais. Il te sort des Shoryuken. Mec, il. Délire. Ouais, comme dans UMVC. Des fois t'as mort de rire. Des fois t'as une meuf, je sais plus c'est qui, parce que je connais pas trop tous les persos de Marvel non plus, mais et là il y en a un sacré paquet. Mais des fois t'as un perso qui lit apparemment dans la pensée des gens. Je sais pas c'est quelle héroïne. Bref, et si elle parle des fois à Deadpool, elle dit hop. Oh non, Deadpool, j'ai plus envie de lire dans tes pensées. Tu sais, des trucs comme ça, quoi. C'est mort de rire, quoi.
sais, il y a plein de phrases comme ça délirantes entre les héros. Quand ils se croisent, des fois, c'est... Putain, c'est tellement bon délire. Puis après, pour le reste, c'est un hack and slash classique, quoi. Bien bourrin. Bien dynamique. Et franchement, quand compatibilité manette, franchement, chapeau. Je la vois choir, putain. Ouais, ou pendant que tu dors ou quoi, tranquillement. Ah oui, bien sûr. Eh ouais, en plus, je l'ai prêté il y a pas longtemps. C'est à mon pote qui habite à Paris et tout. Mais bah ouais, du coup, je peux prêter qu'un. Après, je lui demanderai s'il en a plus besoin, mais bon, je verrai quoi. Ouais, après. De toute manière, on peut pas se connecter en même temps. Hein. Genre, je peux pas jouer si t'es sur mon compte, donc c'est chiant quoi. Ouais, ça déco. Ouais. Mais avant c'était comme ça, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Moi la dernière fois mon pote il s'est connecté sur le truc et ça m'a déco quoi, direct. J'ai fait non, je suis retourné dans le menu et tout quoi. Enfin dans le truc de base où tu dois... Et si je me reconnectais ça le déconnectait lui. C'est trop chiant. Ouais. Oh, faut voir. Après il y a un truc je crois. Il y a un truc, faudrait que tu demandes à ton frère, peut-être qu'il sera, il saura mieux. Mais il y a un truc, j'avais vu, c'est ce qu'on utilise en tournoi. On peut mettre notre compte, on peut le partager en plus d'une console. Mais c'est un partage éphémère. Et si tu éteins la console, il n'y est plus. Mais donc du coup, tant que tu l'éteins pas, en fait, ça devrait être bon normalement. Et ça normalement, enfin j'ai pas testé. Mais je pense que ça ne devrait pas déconnecter la personne. Enfin, on verra, mais enfin, faudra tester un jour. Mais faudra que tu demandes à ton frère. Mais d'ailleurs, ton frère, il peut pas te prêter son compte. Ouais. Ouais, c'est chiant qu'on peut en faire qu'une. Avant, on pouvait en faire trois, quoi. Enfin, trois consoles liées. Enfin, deux supplémentaires. Si j'aurais pu, je l'aurais mis à toi, parce que après, à part mon pote qui est à Paris. Vas-y. Ah mais moi j'ai un clavier hein. Ah ouais il faut. Ah oui il y a un jeu aussi que tu... Ah non t'es pas fan de MMO toi je crois. Non il y a un MMO action RPG. Franchement j'étais chaud pour me refaire un perso en plus. Donc si t'es chaud, il est gratuit. C'est The Elder Scrolls Online en plus. Je sais pas si tu connais les Elder Scrolls. C'est tout. Mais gros, ah non attends, en fait je crois qu'il faut juste que t'achètes le jeu. Ouais il faut juste que t'achètes le jeu, c'est vrai. Mais en fait il est gratuit. Ah ouais t'as pas kiffé. Pourtant il est action RPG quoi. Non, ok, 4 attaques, y'a pas 4 attaques. Sûr. Sure.
il y en a 6. 6. Alors attends, parce que je suis en train de fight contre un boss en plus. En fait, non, il y en a 6 carrés. Enfin, les 4 touches R1, L1. Et R2, L2, ça fait. Enfin, avec les blocages et tout, faut compter, ça fait jusqu'à 8. Enfin, mais ouais, t'as 6 sorts, plus l'ulti, 7. Et les synergies, 8. Plus l'attaque et la défense. Enfin, je sais pas quand est-ce que tu avais joué toi à l'époque. Mais il a beaucoup changé depuis le début, hein, le jeu, hein, ça c'est clair et net. Hein. Bah, en fait, j'avais joué à l'époque. Bah, en fait, au lieu de te faire chier, moi j'ai fait en plus une vidéo récemment sur le jeu. Les haies, tu fais. T'appuies sur R3. Partout. Ah, sur PS4 et sur PC? Ah ouais, ok. Ah, ils ont fait ça comme âge, j'étais pas au courant. Bah, en fait, moi j'avais déjà fini le jeu à ce moment-là, donc je pouvais déjà. Je pouvais déjà aller un peu partout en fait, donc j'ai pas ressenti le truc. Ah oui, ouais, je me rappelle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ouais, c'est cool qu'ils aient fait ça. Après, ça perd son charme dans le roleplay, entre guillemets, mais bon, après... Non, c'est sûr. Et tu te sens quand même fier de toi? Bah, Marvel Heroes, t'as vu les doublages comme ils sont? Des fois, les doublages ils sont marrants. Ah là, j'ai une scène cinématique. C'est une couverture. Elle est reliée à un entrepôt où on dit qu'il stocke ses marchandises volées. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah oui, c'est le Caïd. Je suppose que ces établissements sont des planques pour ces frigos. Frigos obèses, tout ça. On y va. Trop stylé. Ah ouais, j'imagine. Mais lol. Ah bon? Ouais, apparemment il y a rien dans ce jeu sans des colos ou un truc comme ça. Ah bah écoute. Ah, pitié, je te donnerai ce que tu veux! Ah ouais, tu peux envoyer des enregistrements vocaux. Ouais, alors ça, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais?
l'instant j'ai un peu de mal avec ce menu, mais bon. Ah oh, ouais ouais. Ça c'est clair. Salut. T'as vraiment tout donné? Doom, il est bon, hein. Oh, j'ai besoin d'une pause. Dis pas au boss que j'ai été minable. Ah, The Elder Scrolls Online. C'est pas moi, c'est Hulk, ok? Enfin, pff, si ça te plaît après, mais bon. Oh, Street 4. Street 4, j'ai Street 4 aussi, moi. Mais du coup, si toi tu joues, ça va le déconnecter, non? Alors ça, c'est vraiment un grand pouvoir. Ok, c'est bon, je démissionne. Des trucs solides. Oh hey, j'ai que deux bras, la plupart du temps. Bon, tu feras l'affaire. Toujours pas changé. C'est toujours les mêmes trucs. Hey, comment t'enlèves les taches de sang sur ton costume? Laisse tomber. C'est quoi
toute façon, je vais me coucher, donc Mais tu vas regarder tes vidéos comment? Tu sais, la PS4, c'est... Déjà, j'ai plusieurs comptes de 1, et de 2, c'est même sans compte, tu peux jouer. Hein. Ah, ok. Bah, vas-y, ça marche. Je le fais ce soir avant de me coucher, en fait, comme ça, je vais aller avant de me coucher une fois, comme ça, je ne chier personne. Je suis tranquille. Je vais demander pour distribuer les plans, alors. I didn't realize they'd called you in. Tes os 100 gigas? Dites-moi que je suis pas aussi lourd que ce type. Ah non, moi je l'ai installé. C'est bien, maintenant je peux me barrer avec mon casque partout dans la maison. Mais par contre, je crois que tu peux commencer à jouer dès que 10 gigas ont fini de télécharger. Ceinture. C'est une connerie comme ça. Pas d'inquiétude, je manque de rien. Ah, tu l'as ce jeu? Umbrella. Hey mon pote, t'es ok si je fais la rancœur à Mary Jane? Pas de nom de code. Jane suffira. Je sens que t'étais un vrai souffre-douleur au lycée, Spider-Man. Je suis prêt maintenant. Début 2018, hein. Ouais. Ah ouais, oh les bâtards. Ouais, t'as le temps, hein. Et début 2018, y'a des BZ Fighters. Ah ouais. Ouais. Ah oui, Kingdom Hearts 3, putain, j'ai tellement hâte. Waouh, quand même, je pense pas. Non, mais là, avec les trailers et tout, je pense que 2018. Hein. Et 2018, il y a Dragon Quest 11 aussi maintenant, ça y est, ça a été annoncé en France. Ah. Ouais, mais il y a Pixar aussi maintenant. Un super ordinateur extraterrestre parle dans ta tête, c'est ça? Et ouais, ça se passe moi je... Non, c'est au contraire, c'est la concurrence même. Mais je te jure, je sais pas comment ils sont démerdés pour avoir et Pixar et Disney dans un même jeu. Hein. Je sais pas comment ils ont fait, mec. Hein. Bah, Marvel, c'est Disney. Ah oui, ils peuvent, hein. Non, je pense pas. Non. Justement, on pensait au monde de Nemo aussi à la place, mais bon, on verra. C'est déjà beau les Toy Story. En version Jap, elle est tellement drôle. Sous l'océan, version Jap. Qu'est-ce que j'ai réussi?
Ouais, c'est un peu ça. J'ai téléchargé récemment, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, je l'ai téléchargé, mais fallait un pack fondateur, je sais pas trop quoi. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère. En 2018, oh, ils abusent, les mecs. Nul ne me fera obstacle. Ouais, Nerly, j'ai vu, mais putain, 2018, ils ont craqué, les mecs. Ouais, je crois pas. Ah, il y a un jeu par contre qui pourrait être sympa, qui va arriver aussi, c'est Black Desert Online. Ouais. Il est pas mal, hein. On l'a eu, les gars. Topez-la. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous topez pas? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est horrible. Merci. Ça, c'est horrible. C'est vraiment le point noir du jeu, quoi. Mercredi, c'était quoi ce truc? Il se fait appeler Hood. Tous les noms cool et des diables. Ne le sous-estimez pas. Sa cape lui permet de se téléporter n'importe où sur cette terre. Selon nos dossiers, c'est un sérieux prétendant au trône du Caïd. Ah ouais, à ce point-là. Bon sang. Ok, félicitations tout le monde. Nous venons de fournir à Hood le moyen de régner sur cette ville. Il n'est pas question que ça arrive. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait où crèche ce type. Nous devons d'abord avertir Fury. Sans te vexer, je crois savoir à qui nous devrions parler d'abord.